Quand j'entre dans une salle de danse, j'entre pas dans une salle de danse, j'entre chez moi. Je veux dire, si un cours dure une heure et demie, deux heures, le temps que je suis dans le cours, c'est chez moi. Donc je m'installe complètement dans les murs et les gens qui sont là sont mes invités. Mon premier flash, voilà, je suis rentré dans un cours de danse. J'ai regardé d'abord le cours, on m'a proposé d'abord de regarder, de rester assis, de regarder. Ma mère attendait dehors, je suis resté 5 minutes dans le cours, 5 minutes je suis sorti et je lui ai dit, ça c'est ma vie. J'ai commencé en tant que danseur et puis effectivement, au fur et à mesure des choses, en suivant certains professeurs, je suis devenu leur assistant. En étant leur assistant, je les ai remplacés en cours, mais ces cours-là ont fonctionné, donc je suis devenu professeur par rapport à ça. Et puis en plus, effectivement, par rapport à un style que moi j'ai créé, on m'a proposé de faire des chorégraphies, de monter des spectacles. Donc en fait, les choses voilà, s'emboîtent au fur et à mesure. En fait. Je fais beaucoup de mélanges. Je travaille beaucoup sur la contamination des genres. Donc il y a une base classique, bien sûr, parce que bon, je viens du classique, donc j'utilise cette base-là. Je lui apporte une énergie jazz, qui est une énergie assez rapide, on va dire violente un peu. Et j'amène des mouvements un petit peu modernes, donc c'est un petit peu une contamination de tous les genres. 4 et 5. 6, le bras. 7. Tout de suite avant de la toile, glisser 8. Tour. 1. De plier, très fermé, tout ça. En fait, il est construit assez basiquement, on va dire. Il y a toute une partie de préchauffement, de préparation du corps. Ensuite, il y a une partie de travail du corps. Petit à petit, je les amène à l'énergie que je veux par rapport à la variation que je vais leur proposer. Et puis ensuite, voilà, tout le travail de la variation qui là amène vraiment dans la danse, dans la technique, dans la mise en place de tous les éléments qu'on a pu travailler dans la barre. Donner un maximum d'informations, des choses, j'essaie d'être pointu dans ce que je leur demande, dans ce que je leur dis, dans toutes les aides que je peux leur apporter. Moi, je considère que je suis là pour les aider, pas pour leur apprendre quoi que ce soit, pour les aider à faire ressortir du corps. À n'importe quel niveau, que ce soit avancé, intermédiaire, débutant, amateur, professionnel, etc., la danse permet justement une ouverture d'esprit, une liberté. On n'a rien qui nous arrête, on n'a rien qui nous... On peut toujours se surpasser, se dépasser, sans avoir aucune frontière. Okay.